Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, nous allons parler d'un film français qui est sorti il y a environ un mois au cinéma, une comédie dramatique intitulée Le Jeu, réalisée par Fred Cavaillé, qui avait commis il y a 2 ans l'horrible Radin avec Danny Boone, probablement le pire film que j'ai vu ces 5 dernières années, enfin l'un des pires films que j'ai vu ces 5 dernières années, parce qu'il n'y a pas eu que celui-là malheureusement. Et avec un casting intéressant, puisqu'on y retrouve Bérénice Bejo, qu'on avait pu adorer dans OSS 117 ou The Artist, Vincent Elbaz, qu'on voit pas mal en ce moment à l'affiche de certains films, Grégory Gadebois, que personnellement j'avais découvert dans Pop Redemption, Stéphane De Groot, l'humoriste belge qu'on n'attend pas forcément dans un film de ce genre-là, ou encore Roche Dizem, voilà. Ce genre de... Enfin, un film qui m'avait attiré, parce que j'avais vu le trailer. Voilà, et puis le point de départ, le pitch de départ, assez original, qui annonçait du bon. Voilà, puisque c'est l'histoire de plusieurs amis qui se retrouvent chez un couple d'amis, donc pour un dîner, le soir de l'éclipse totale de la Lune. Alors oui, il y a une petite importance de cette éclipse dans la soirée. Pas là où on l'imaginerait, mais il y en a une. Et donc, ils décident, parce qu'ils se sont bêtes un peu, et puis parce que finalement, sous couvert de blagues un petit peu, et de challenge, etc., ils décident de, à un moment donné, mettre leur téléphone au milieu de la table, et dès qu'il y a un appel, un SMS ou un mail et tout, lire ou répondre à voix haute avec le haut-parleur face aux autres, voilà, ce qu'ils ont reçu, etc. Donc, ne rien cacher, et potentiellement se faire griller sur certains trucs. Parce que quand même, dans le lot, vous avez 3 couples. Il y a un gars qui est solitaire et qui attend, qui est soi-disant en couple avec une autre femme qui n'est pas là, mais bon. Et qui a une importance, évidemment, ce personnage isolé, qui a une grosse importance dans le film. Et voilà, postulat génial, parce qu'on peut imaginer que ça va aller très loin dans le cynisme, dans voilà, les révélations choc, comment les personnages vont réagir en sachant que Truc lui a caché un secret depuis X années, ou etc. Mais le problème, c'est que ce film, voilà, j'en attendais beaucoup, m'a déçu, frustré, et à la fois, je trouve qu'il n'est pas allé assez loin, et qu'il est allé trop loin. Je vais avoir du mal à expliquer ça. Hein. Pourtant, commençons par le positif, les acteurs sont très bons, je trouve, dans leur personnage. Ils sont tous à fond dans leur truc et ils sont pas dans le cabotinage, j'allais dire dans le gabotinage, je pourrais inventer un mot, mais pourquoi pas. Ils jouent juste, voilà, les échanges sont plutôt bons, c'est assez rythmé, là il n'y a vraiment pas de problème. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Voilà, bah, c'est peut-être le seul point positif du film. Si ce n'est si, il y a certaines situations qui sont touchantes et drôles, ou est drôle quand même, et à un moment où le couple hôte de la soirée le père reçoit un appel de sa fille qui est partie en soirée et tout. C'est un moment très touchant, je trouve, qui passe super bien, qui est joué de façon très juste par Stéphane De Groot d'ailleurs, et Bérénice Bejo, qui joue sa femme dans le film. Il joue un couple de docteurs, un qui est chirurgien esthétique et l'autre qui est psy. Et voilà, ça c'est une superbe scène, même si malheureusement elle tombe un petit peu au milieu de nulle part, comme un cheveu sur la soupe, et casse le rythme. Donc paradoxalement, c'est bien et pas bien. Et c'est un peu le paradoxe du film, du coup, parce que frustré parce que ça va pas assez loin, ce genre de film, tu t'attends à ce que ça parte, mais dans des délires de ouf, un peu à l'américaine, mais contrôlé quand même, sauf que là, on va jamais dans le gros choc, trop gros choc, même si, évidemment, si, il y a quand même des révélations de fou, mais ça tourne toujours autour du sexe, en fait, les révélations, grosso modo. C'est très limité. J'aurais préféré voilà, des trucs chocs au niveau de leur travail, au niveau peut-être, il y en a un qui a, je sais pas moi, commis un hold-up, commis un crime. Non, ça aurait été violent, oui, mais ça aurait diversifié le truc. Et là, ça reste très terre à terre sur les relations humaines et c'est que là-dessus. Et en fait, c'est redondant. Et du coup, ça va pas assez loin. Sauf que ça va trop loin dans on va dire, dans la logique de certaines choses, ça va trop loin. En fait, ce n'est pas réaliste pour un sou. Parce que tous ces gens-là qui sont réunis autour de la table, alors vous allez me dire, oui, c'est un film, c'est de la fiction, il faut bien ça pour rendre l'histoire, machin et tout. Oui, certes. Mais tous les sept là-dedans, ont quelque chose à se reprocher et ont fait des trucs improbables. Ça donne presque l'impression qu'en gros, l'être humain ne peut pas se passer, ne peut pas s'empêcher de cacher des trucs pervers
ou des trucs cachés, donc, à ses amis ou à ses proches, ou à ses conjoints. C'est un message très dark, je trouve, sur l'humanité. Et ça fait un peu peur, ça fait un peu. Tu sors de ce film, tu perds complètement confiance en tous tes amis. Tu t'imaginerais dans une soirée comme ça. Enfin, bref, c'est. Dans une vraie réalité, il y en a certains qui auraient rien à se reprocher. D'ailleurs, il me semble quand même qu'il y a au moins un personnage qui a rien à se reprocher. D'ailleurs, il a tellement rien à se reprocher qu'il accepte d'échanger son téléphone avec un autre personnage et qui crée un quiproquo improbable au sein d'un couple. Mais lui, en tant que tel, il n'a absolument rien à se reprocher si ce n'est qu'il n'arrive pas à assumer quelque chose qui lui est difficile d'assumer. Mais ça, on va y revenir parce que c'est l'un des messages du film. Voilà, donc ça, trop loin et pas assez loin. C'est assez cruel et pervers quand même. Et puis bon, finalement, on se retrouve dans un cliché, voilà, avec des couples qui se trompent ou pas, ou qui se cachent des trucs. On est dans la relation familiale aussi. Et quelques messages qui peuvent être tendancieux au niveau de l'humour et de ce que veut faire passer le film, je ne sais pas. Il y a donc tout un arc vers le milieu trois quarts du film sur l'homosexualité. Voilà. Alors, à un moment, un des personnages reçoit sur son téléphone le message d'un mec et tout. Et donc se voit obligé, face à ses amis, de révéler malgré lui qu'il a une aventure avec un homme. Ou pas, parce qu'il y a un quiproquo là aussi. Enfin, vous comprendrez très vite en voyant le film, parce qu'il y a un échange de téléphone. Et on ne peut pas s'empêcher de se retrouver avec des remarques beaufs, voilà, portées par le personnage de Vincent Elbaz, qui sont très vite désamorcées. On voit bien que c'est une critique, donc attention, hein, c'est pas un film homophobe et tout, loin de là. Mais est-ce qu'on était obligé d'aller dans ce cliché-là pour faire passer un message comme quoi, oui, l'homosexualité aujourd'hui doit être acceptée comme une normalité, parce que c'est une normalité, c'est pas une différence, c'est pas un tabou, ça n'a plus à être un tabou. Et ce n'est pas une tare, voilà, il faut le dire, même si c'est très difficile de faire accepter ça à certaines personnes et à la société. Ce film essaye de faire passer ça, et d'ailleurs c'est le personnage qui est donc homosexuel, qui tient le beau rôle, mais qui est aussi, enfin aussi à la fin, c'est le seul qui finalement ne reçoit pas le reproche des autres. Mais ouais, voilà, c'est un peu, en fait, voilà, le message est peut-être bon, mais c'est un peu apporté, enfin mis sur un plateau de façon frontale et cliché, je trouve que même si peut-être que le message est beau ou bon derrière, il en souffre de la façon dont il est amené. Voilà, enfin, c'est ce que j'ai ressenti, je sais pas. C'est un peu maladroit pour moi. Et on enfonce une porte ouverte. Voilà. Puis bon, sinon, tromperie, secret, machin, on nage dans un convenu là-dedans. Et au final, c'est dommage pour un film qui avait un gros potentiel de départ. Voilà. Donc, je lui mets 5 sur 10 parce que je suis très déçu. En soi, c'est pas un mauvais film. On passe un moment sympa devant ce film-là. Il n'y a pas de raté particulier. Enfin, dans l'esthétique, voilà, la réalisation est correcte. Elle n'est pas fofolle non plus. Là aussi, on aurait aimé je sais pas, plus d'audace de la part de Fred Cavaillé. Mais c'est très, très académique, je trouve. Y compris dans le message et donc et dans les secrets révélés. Ça reste trop académique. Sauf que dans l'académique, on essaye de forcer un peu dans le pathos et dans le cynisme. Et je suis pas certain que ce soit le meilleur angle qu'on aurait pu utiliser pour un tel film. Voilà. Malheureusement. C'est un peu du gâchis. Et puis il y a cette histoire d'éclipse aussi. On en fait tout un foin dans l'intro. On sent qu'il va y avoir quelque chose peut-être. Et en fait, ça ne revient qu'à la fin du film, tout ça. Et il y a une révélation à la fin du film, j'ai pas envie de spoiler, mais oh là là, non, 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 voilà. Enfin, une révélation. Ouais, il y a un twist, qui a un rapport finalement avec l'éclipse. Mais enfin, quel est l'intérêt en fait que cette révélation arrive à la fin, qu'on apprenne ça? Je ne sais pas. Si ce n'est que de faire encore plus prendre conscience au personnage. Voilà, j'ai pas envie d'en dire plus, mais vous comprendrez en voyant le film. Peut-être. Mais bon, bon, voilà, donc je suis frustré et déçu de ce film, qui est donc correct. C'est pour ça que je ne vais pas descendre en dessous de 5. Hein. Voilà, on est loin du radin d'il y a 2 ans. Fred Cavaillé remonte quand même la pente, surtout que c'est lui qui a fait le scénario, donc il a quand même eu l'idée. Enfin, il a eu l'idée, c'est quand même adapté clairement d'un film qui est sorti il y a 2 ans, un film italien apparemment. Donc c'est même quasiment un remake.
Mais bon, voilà, c'était intéressant d'aborder ça, mais ça va pas là où ça aurait dû aller. Voilà, tout simplement. Enfin, pour moi, c'est une question de perspective aussi. C'est une question d'attente. Forcément, quand tu attends quelque chose d'un film, tu vas forcément ou être sévère ou être bluffé. Mais là, non, là, malheureusement, ça n'a pas marché sur moi. Désolé. Allez, à la prochaine. Ciao.